Question d'internet de Amine. Gaël Giroud, pourriez-vous s'il vous plaît clarifier votre position concernant l'annulation de la dette des États ? Cela ne revient-il pas à donner quitus à tous ceux qui ont bénéficié de cette pyramide depuis 40 ans, à figer leurs privilèges sans jamais qu'ils aient à rembourser ? Je comprends cette question, c'est une fausse... Donc je vais m'expliquer là-dessus. Hein. Alors, je la termine un peu, bon, toujours de Amine. Quid des gens qui ont travaillé dur, payé leurs impôts et remboursé leurs crédits ? Quid de l'équité entre les bénéficiaires de cette dette et les gens ordinaires qui ont eu une vie simple alors que ce système, alors hors de ce système, pardon. En un mot, à qui profite vraiment l'annulation de la dette ? Bon, c'est une très bonne question. Alors, j'essaie d'expliquer un petit peu ça. Il faut comprendre effectivement que, il y a, comment dire ça ? Vous et moi, qui ne sommes pas des banquiers, lorsque nous empruntons de la monnaie, nous sommes obligés de trimer dur pour la rembourser. Pourquoi ? Parce qu'il faut rembourser le capital, il faut rembourser en plus les intérêts de l'emprunt. Et donc il faut... On rembourse d'abord les intérêts. On commence par rembourser les intérêts, etc. Mais ça veut dire qu'in fine, il faut produire plus de valeur que ce qu'on a emprunté auprès du banquier, puisqu'on doit lui rembourser davantage que ce qu'on lui a emprunté. Et c'est là que toute la question de cette personne est tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent, moi le premier, vous aussi, tout le monde, qui bossent dur pour pouvoir rembourser leurs emprunts. Pour les banques, les choses ne sont pas du tout du même ordre parce qu'une banque peut créer de la monnaie ex nihilo et ça ne lui coûte rien. Et donc, la grande différence, c'est que lorsqu'une banque elle-même emprunte, et les banques empruntent tous les jours, ce n'est pas du tout la même chose que pour un particulier qui, lui, doit travailler dur pour rembourser une banque. Alors... Donc je réexplique un tout petit peu. Le système monétaire, dans un pays comme la France, il est construit à deux niveaux. Imaginez que vous avez le mont Olympe. En haut du mont Olympe, vous avez Zeus. Zeus, c'est la BCE. Et puis en bas du mont Olympe, vous avez les dieux. Les dieux, ce sont les banques. Et puis vous avez le reste de la plaine de la Grèce antique. Ça, c'est vous et moi. Atlas et Axis, c'est ça ? Voilà, par exemple. Alors, les dieux et Zeus, qui est le dieu des dieux, échangent entre eux avec une monnaie que ni vous ni moi n'avons jamais vue, qui s'appelle la monnaie banque centrale. Cette monnaie n'arrive jamais dans l'économie réelle. Donc elle n'arrivera jamais dans votre poche, elle n'arrivera jamais dans votre compte bancaire. Elle est piégée dans ce qu'on appelle le marché interbancaire et elle sert à réguler les transactions entre les banques et avec la Banque Centrale Européenne. Donc lorsqu'on dit la Banque Centrale Européenne imprime des milliers de milliards, en fait c'est l'argent en monnaie banque centrale que crée la Banque Centrale Européenne. Ça ne lui coûte rien, c'est une pure opération d'écriture. Il faut un peu d'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur. Et puis il faut payer quelqu'un qui tape sur un clavier. Mais c'est tout. Cet argent-là autorise les banques, donc les dieux du mont Olympe, à discuter avec les humbles mortels que nous sommes, qui nous n'avons pas le pouvoir de création monétaire, via par exemple de la création monétaire pour accorder un crédit. Donc lorsque je vais voir mon banquier et que je lui demande un emprunt pour acheter par exemple un appartement, et ce qui fait que je vais devoir bosser dur toute ma vie pour rembourser mon emprunt, le banquier, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas voir dans les sous-sols de la banque s'il a suffisamment de billets de banque pour me prêter. Il va regarder si je suis solvable et si c'est intéressant pour lui de créer de la monnaie ex nihilo pour moi. Ça ne lui coûte rien. Et s'il me dit non, il dit non, ma bonne dame, je ne peux pas vous prêter parce que vous savez, les temps sont durs, la monnaie, on ne trouve pas ça sous le pas d'un cheval, etc. En fait, il me raconte des salades. Tout ce qu'il veut me dire, c'est qu'il ne veut pas me prêter parce que je ne suis pas un client intéressant pour lui. Soit qu'il estime que je ne sois pas solvable, soit qu'il estime que pour que je sois solvable, il va être obligé de me prêter à un taux d'intérêt qui ne l'intéresse pas. Ceci est un secret bien gardé, c'est-à-dire que j'ai donné pas mal de conférences grand public. Lorsque j'explique ça au grand public, les gens comprennent qu'en réalité, leur banquier peut créer de la monnaie ex nihilo demain matin, et donc regardent leur banquier avec un tout autre regard que celui qu'ils avaient précédemment. C'est une espèce de mythe qui est entretenu savamment dans l'opinion publique, qui est que les banques ne sont pas des banques. Les banques sont des intermédiaires financiers qui vous prêtent de la main gauche qu'elles empruntent de la main droite. C'est pas vrai. C'est comme ça que c'est formalisé dans les modèles standards des économistes, hein, où il n'y a pas de banque, où il n'y a que des intermédiaires financiers qui prêtent de la main gauche, qui empruntent de la main droite. Une banque, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Une banque, c'est une institution financière qui a reçu du roi le droit régalien de frapper monnaie, et donc qui peut créer de la monnaie. Alors, une fois qu'on a compris ça... On n'a plus droit, et commandons avec l'euro, c'est ça ?
Pardon ? Qu'on n'a plus droit et qu'on est maintenant avec l'euro. Voilà, exactement. Le traité de Maastricht, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a supprimé des mains de l'État le pouvoir de création monétaire, qui était le droit régalien de frapper monnaie, pour le confier de manière exclusive à la Banque Centrale Européenne du côté public. Donc du côté de la sphère publique, il ne reste plus qu'un seul acteur qui a le droit de frapper monnaie, c'est la BCE, qui est réputée indépendante à l'égard des États. Et puis du côté de la sphère privée, il ne reste plus que les banques privées qui peuvent créer de la monnaie. De sorte que les citoyens, vous et moi, on a été expropriés du pouvoir souverain de contrôle de la monnaie. Raison pour laquelle, par exemple, on voit dans la société civile l'émergence de toute une série de monnaies complémentaires, des monnaies locales. Dans la Creuse, par exemple, il y a des monnaies locales qui apparaissent. Et ça, ça traduit quoi ? À Guéret. À Guéret, exactement. Ça traduit quoi ? Ça traduit la nécessité pour les communautés locales de se réapproprier le pouvoir monétaire. Et donc de créer des monnaies locales qu'ils vont pouvoir faire développer, faire prospérer pour les usages dont ils ont besoin aujourd'hui. Et par exemple, en Grèce, au moment de l'explosion de la crise grecque, entre 2010 et 2015, vous avez eu une explosion du nombre de monnaies locales en Grèce parce que les gens n'avaient plus accès à l'euro. L'euro était devenu une monnaie rare. Et donc, ils créaient des monnaies locales pour réussir à s'en sortir et continuer à avoir des transactions marchandes. Bon. Alors, maintenant, dans le mécanisme qui s'est mis en place à partir de manière systématique à partir de 2015, mais qui avait déjà débuté précédemment, que se passe-t-il ? Lorsque l'État émet un titre de dette publique, donc il emprunte, pour financer les écoles à Guéret, la poste à la souterraine et le service public. À Besançon. À Besançon. Vieille ville espagnole. Qu'est-ce qu'il fait l'État ? Donc il émet un titre. Ce titre aujourd'hui est racheté par les banques. Ça c'est normal, puisque l'État n'a plus le droit, au moins depuis 1973-75, de manière systématique depuis le traité de Maastricht, d'emprunter directement auprès de la banque centrale, de sa banque centrale. Jusque dans les années 70, on a reconstruit quand même la France en une génération, grâce au circuit de Bloch-Lenné, qui consistait en ceci, que le Trésor empruntait directement à la Banque de France à taux nul, et en fait ne remboursait jamais sa dette, puisque la dette était roulée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Trésor devait rembourser la Banque de France, il réempruntait à la Banque de France la somme qu'il lui devait. Et donc il roulait à perpétuité la dette publique. Ce qui a permis de reconstruire la France en une génération. Ce système qui a très bien fonctionné donnait les coudées franches à l'État pour avoir une vision stratégique, lancer des grands projets, le projet nucléaire français, le TGV, Ariane, etc. Ces grands projets gaulliens, en fait, ont été financés grâce à ce système-là. Aujourd'hui, l'État français ne peut plus mettre en œuvre ce type de projet parce qu'il a été corseté par une idéologie post-libérale qui veut réduire complètement le pouvoir de manœuvre de l'État en faveur du secteur privé et imposer la discipline de l'austérité budgétaire à l'État via le fait que l'État aujourd'hui est obligé d'emprunter sur les marchés financiers et donc de se plier aux desiderata des marchés financiers pour avoir le droit d'emprunter à taux non nul. Aujourd'hui, sur la dette française, il y a 60% de la dette française qui provient uniquement de l'accumulation des taux d'intérêt. Donc si on avait maintenu le système de Bloch-Lenné, on aurait uniquement 40% de la dette française aujourd'hui. Donc c'est considérable. Alors, donc le système qui a été mis en place depuis 2015, c'est que l'État émet un titre de dette publique qui est acheté par une banque. Au moment où la banque achète ce titre de dette publique, elle prête à l'État français en créant de la monnaie. Ça ne coûte rien à la banque de faire ça. C'est une pure opération d'écriture. Donc il n'y a aucun ouvrier français qui a bossé dur pendant 40 ans pour que l'État puisse se financer. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est là que la personne qui pose la question doit entendre ça. C'est-à-dire que le financement de la dette publique française ne se fait pas en faisant trimer un ouvrier. Ça se fait via le pouvoir de création monétaire des banques privées. Lorsque la banque, ayant créé de la monnaie pour acheter le titre de dette publique français, revend ce titre de dette publique à la BCE. La BCE, à son tour, crée de la monnaie, mais cette fois-ci, elle crée de la monnaie banque centrale qui est dans la partie supérieure du mont Olympe. D'accord ? Cette monnaie banque centrale ne va jamais atterrir dans l'économie réelle, ne va jamais alimenter l'inflation, et permet simplement de régler la transaction entre la BCE et la banque, admettons BNP Paribas. Au moment où la BCE rachète ce titre de dette publique, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle paye la dette. Donc la dette de l'État français, en vérité, elle a déjà été payée par la BCE au moment même où la BCE a racheté le titre de dette publique français auprès de BNP Paribas. Donc cette dette, elle a été payée par la BCE. Comment ? Grâce au pouvoir de création monétaire de la BCE. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, le créancier sur l'État français, c'est la BCE, puisque la BCE a racheté cette dette en la payant. Il est bien évident que si BNP Paribas pouvait espérer gagner davantage par le remboursement de la dette publique par l'État français
qu'en vendant ce titre à la BCE, elle ne vendrait pas à la BCE. Donc en fait, le prix auquel la BCE rachète à BNP Paribas couvre largement ce que BNP Paribas pouvait espérer gagner du remboursement de la dette par l'État français.